amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao !Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, vous me connaissez maintenant, j'ai une énorme passion pour le football et pour l'argent que ça ramène, surtout. Et vous me connaissez aussi, à chaque fois, je vous présente des bons plans pour que vous aussi vous puissiez gagner de l'argent, bien entendu en étant majeur. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Moustache Prono. Alors c'est lui, la différence de tous les autres, c'est justement un pronostiqueur qui porte ses cojones, clairement. Et c'est aussi un pronostiqueur qui est resté actif pendant la période du coronavirus. Donc ça veut dire qu'il a pas lâché sa communauté, le mec. Et pour vous dire mieux, même pendant la période du Covid, il a fait un mois gratuit. Donc pour vous dire qu'il a absolument rien à cacher à personne et qu'il y a des sous à faire et gratuitement souvent. Il valide des grosses cotes chaque semaine. Donc n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat, il y a tout qui est dans la description. Je sais pas si vous connaissez un peu l'effet que ça fait de dépasser des cotes à 40, 50, 70 et en plus de prendre de l'argent, l'adrénaline qu'on a, franchement ça n'a pas de prix. Pour preuve, je vous mets les tickets et tout ce qu'il y a de gagné. Et vous avez juste à mettre pause et à regarder les tickets et vous verrez par vous-même que le mec, il a de quoi être suivi quoi. C'est pour ça que je vous dis d'aller le suivre immédiatement. Si vous suivez ses conseils, vous avez plus de chances d'être positif que d'être dans le négatif. Bien entendu, on gagne pas à tous les coups, mais vous avez énormément de chances de gagner de l'argent avec Moustache Prono. En plus, le mec, il fait ça depuis plus de 10 ans, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est où, Moustache Prono? Il est où? Il est là-bas? Ah, je vais là-bas. La semaine dernière, il était en positif et j'ai gagné de l'argent grâce à lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous en parle. Voilà, parce que je l'ai testé avant de vous en parler. Donc, n'hésitez pas à le rajouter sur Snapchat qui s'affiche ici et à aller sur son site pour avoir plus d'informations. Bonne vidéo à tous et à tout à l'heure pour une petite conclusion ou pas. Ça dépend. On veut te voir, ouvre les portes là, on veut te voir Kamoff. Moi ça fait un an je le connais. Je suis ma mère et nous. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Avec le masque. Oui. Personne par personne, ça dure un par un. Sinon on fait famille par famille. Par rapport au confinement, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas tous vous mélanger. Et au moins vous avez votre moment d'intimité avec vous. Mélisse, je suis venu spécialement pour toi. On est du côté de Reims. Kamoff, ça fait 2 ans que je le suis. À fond, tous les mercredis à 18h. Grosse dédicace à Kamoff. Grosse dédicace. Ça va, c'est quoi votre prénom? Ilan. Et Dylan. Ouais. Ok, quel âge vous avez? 14 ans. Ouais. Ils font 14 ans, c'est mignon. Ça va et vous? Ouais, c'est votre fils? Ouais, c'est mon fils, ouais. Vous êtes venu d'où? Grenoble. Assieds-vous. Dès qu'il y a une vidéo, on regarde. Ah ouais. Rendez-vous. Voilà. C'est quoi toi ta vidéo préférée, j'imagine? Vraiment, c'est avec le bébé. Avec le bébé de l'aventure. Ouais, ma chaîne, c'est Chino Lyotard. Bah, je fais Fortnite et des live FaceTime. Combien de 30 abonnés? Ouais, je crois bien. Si on arrive à 1000, déjà, c'est beau. Ah oui. Écoute, tu travailles un dimanche, bon courage à toi. Et dommage que tu peux plus venir, mais en tout cas, on pense à toi et merci de suivre. Il y a du monde encore qui arrive, je vois là. Parce qu'on a donné rendez-vous à 13h ou à 14h. Ouais. On a donné 2h. Du coup, les gens ils viennent à 13h et il y en a qui vont arriver à 14h aussi. Mais au moins c'est bien, c'est pas moulon, tu vois. Vous avez tous été au courant qu'il y a eu des départs, des gros départs de feu à Martigues, à Carry, qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu des biens, sans compter les animaux et la nature qui a été détruite. Surtout la nature. Son père avec un ami, ils ont ouvert une association. Juste déjà un énorme soutien, c'est-à-dire que tous ceux qui voient cette vidéo, si vous aimez la nature, si vous aimez les animaux et que vous êtes un minimum sensible, n'hésitez pas à aller sur la page du frérot et à mettre un petit like.
C'est gratuit, ça coûte rien. Le lien il sera aussi sûrement dans la description. Et vous allez aider des gens qui bougent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui bougent. Et donc, le peu de gens qui bougent, il faut les aider. Ouais, surtout vraiment, si vous faites ça, vous êtes vraiment gentil, quoi. Vous êtes cool. Surtout que... Et ils vous donnent 1000 euros si vous mettez voilà, un like. C'est ça. Par personne. À chaque personne. Par personne, voilà. À chaque personne. Ça fait une semaine, je suis dans la famille et tout. Je viens de me voir, frérot, j'ai non, on reste à la maison. C'est une blague ou c'est une caméra cachée? C'est une caméra cachée. Mais... Tu aimes pas nos vidéos? C'est... Non, pourquoi tu viens alors? Le gif, je sais pas, je te dis, j'aime pas tes vidéos. Faut... Mais c'est quoi? Genre, tu es venu là, tu es venu poser tes couilles en fait? Non, je voulais t'expliquer mon point de vue. Alors vas-y, pourquoi tu aimes pas mes vidéos? Vas-y. J'aime pas ce que tu fais. Non, mais... argumenter, frère. Tu peux pas venir ici et me dire, ouais, j'aime pas tes vidéos sans argumenter, frère. Bon, moi, je trouve que je suis trop voyou dans tes vidéos. Frère. Je trouve que je suis trop voyou. Ouais, genre, je sais pas, je prends pour quelqu'un, tu viens dans des quartiers, tu mets des sirènes, je sais pas quoi. Oh, moi, j'aurais fait ça dans mon quartier, frérot. Je te demande pas, tu serais pas sûr que tu vivras. Tu serais pas sûr que tu vivras. Parce que c'est des menaces. Donc, en fait, non, mais là, c'est ça. Je t'explique un truc, tu fais un constat. Tu vis ici, et tu es en train de là, de me faire le mec qui pose ses couilles sur la table ici. C'est pas une menace, je te dis, si tu aurais fait ça chez moi, je serais pas sûr que tu vivras, c'est pas une menace. Je te fais un constat. C'est un constat des choses. Tu vois, frérot, de toute façon, ça sert à rien, c'est une discussion. Je vais te partir, s'il te plaît. Il y a des gens qui attendent en bas, tu vois. Ah, mais déjà, tu sais pas, tu veux parler. Ah, ça y est, j'ai fini, Tu es qui, faut prendre une gestion pour parler avec toi. T'es chez moi, on fout que tu es chez moi. Je sais pas, c'est ce qu'on a zinzin. T'es chez moi. Si je veux, je claque dedans, on te met dehors. C'est bon, tu prends s'il te plaît, sors, frère. S'il te plaît, gentiment, tu as vu, je suis marseillais, tu es marseillais, on se connaît. S'il te plaît, sors. Je m'en cas. Mais il y a un truc, tu pousses à bout là, gros. Ah, gros, là, par contre, tu pousses à bout. Oh, tu pousses à bout. Allez, vas-y. Voilà, vas-y, venez à tes temps, mec. Allez, on va aller. Je vais revenir. Ah non, tu es ça. T'as qui, mon petit coin? Allez, bon, c'est bon, j'ai un fou. Reviens avec plus. Non, t'inquiète, mon épée, c'est bon, t'es genre. Ouais, on prend d'appétit. Non, c'est bon, c'est genre. T'imagines, il y a eu je sais pas combien de personnes qui nous ont soutenu toute la journée et t'as toujours un mec pour gâcher. C'est fou, hein? Voilà. Incroyable. J'ai envoyé mes lunettes. Ouais, bah vas-y. Allez, vas-y. Bon. Ah, très content de le voir. Ah ouais, ouais, franchement, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. On a stressé, on tremblait un peu. Moi, cette nuit, j'ai pas dormi, moi. Ah, on a pas dormi, personne n'a dormi. Ah, c'est super, c'est un mec super. Ouais, ouais, vraiment. J'étais bien content, je suis venu de Grenoble exprès. C'est quelqu'un de très sympathique, de très abordable, de très simple. Et franchement, moi qui ne suis pas sur YouTube et qui ne suis pas quelqu'un de spécialisé, franchement, c'est quelqu'un qui est sympa, qui change rien. Et je suivrai avec mes gamins sur YouTube toutes ses vidéos. Et franchement, c'est quelqu'un de très très simple, il est super. Franchement, change rien. Il est sympa, il est gentil, on s'est bien entendu. C'est vraiment convivial, c'est vraiment familial, c'est vraiment bien. Franchement, j'ai bien aimé. Les gars, au lieu de marquer le sang S-A-N-G, il a marqué S-E-N-G.
Ah voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui sont venues. Vous avez été adorables, sauf une, mais bon, c'est pas grave. Il y a toujours quelqu'un pour gâcher les événements comme ça. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Peut-être qu'on refera une autre rencontre abonnée. Merci à toutes les personnes qui étaient là. À Elliot, à Fafa, à Steven. N'hésitez pas à nous rajouter sur le compte Instagram aussi qui s'affiche. Et on reviendra très prochainement pour une vidéo. Voilà, merci à tous. Je suis très fatigué, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais je suis content que les choses se soient plutôt bien passées dans l'ensemble. Voilà, big up à tous et continuez de nous regarder. Ciao.